Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous emmène chez nos amis suisses pour deux Via Ferrata. Je vais vous mettre tout ça dans la vidéo parce que lorsque vous venez sur Molaison, dans le pays de la Gruyère, canton de Fribourg, vaut mieux faire les deux. Comme ça, vous rentabilisez un petit peu votre transport. La première qu'on va faire, c'est la face. Elle est côté TD sur les topos. Et puis ensuite, on enchaînera avec le pilier qui, elle, est côté D. Parti pour la découverte, je suis avec Fabien. Et je suis avec Arnaud. Et derrière moi, vous découvrez ce paysage de carte postale. C'est vraiment magnifique. La Suisse, c'est beau, hein. Je vous fais visiter. Alors pour le départ, on a vraiment les deux vias qui sont parallèles. Et ensuite, nous, c'est par ici que ça se passe. On vire carrément sur main droite pour la face. Première portion, Fabien, qu'est-ce que t'en penses? Ça va, tranquille? Nickel. On a vraiment une belle vue. C'est vraiment magnifique. Et Arnaud, ça va? Ouais, ça roule. Impec. Allez, après on continue par ici. Alors vous avez vu la pancarte comme moi, donc à partir de ce point, retour impossible. Donc on y va tranquille, c'est parti pour la découverte. Après cette petite traversée, là on attaque vraiment les choses sérieuses. Ça commence à monter tout raide dans la face. C'est pas l'heure de manger quoi? Oh Fabien, il y a le corps des Alpes qui t'accompagne. C'est chouette. On vient de terminer la première petite partie un petit peu verticale. À présent, on va faire une traversée pour reprendre une partie verticale dans à peu près une quinzaine de mètres. Allez, on est reparti dans la face. Après cette montée, petite traversée, première portion vraiment engagée là. Ah, c'est pas mal. Bon, live, Fabien, qu'est-ce que t'en penses? Engagé, là. Sympa comme tout. Un petit, ouais, vraiment sympa. Fabien, on termine avec la cheminée. Arnaud qui suit derrière, tranquille. Alors Arnaud prend vraiment le rocher. Hein. Arnaud, il prend le rocher parce que ses enfants, ils ont pris un niveau d'escalade. Puis là, ils s'entraînent aujourd'hui. Il fait un petit entraînement varap. Allez, après, on continue par ici. On est à la moitié du chemin. Puis franchement, pas mal. Hein. Elle est vraiment sympathique. On peut même, on a un bon contact avec le rocher, hein, il n'y a pas des barreaux tout le temps, c'est vraiment sympa. Et puis ensuite, c'est par ici que ça se passe.
T'as passé le petit pas athlétique là. Bon, Fabien, il l'a fait assez facile. Hein. Petite partie vraiment sympathique ici. On vient de terminer le deuxième mur. Et à présent, on est sur une petite vire tranquille en traversée. On approche du dernier quart hein, qui se trouve juste en face de nous. Donc là, la partie un peu plus engagée, un petit peu plus verticale. Allez, après, c'est par ici que ça se passe. Voilà, bien vertical avec des légers surplombs. Là. Alors, on a une intersection. Donc ici, sur la droite, la partie par le surplomb, comme on peut le voir juste devant nous. Et ici, sur la gauche, c'est la partie par l'esquive qui continue là-bas au loin. Et nous, on va prendre... Fabien, j'ose te poser la question. On passe par le surplomb, c'est bon? Ça va, ouais. Ok. C'est sans le câble. Nickel, ça, y a un câble, À droite, il y en a trois. Ouais, c'est vrai que là, il y en a une. Ici, là, il n'y a plus de câble. On voit juste les barreaux là à côté, là, mais il n'y a plus de câble. Allez, Fabien est dans la première portion un peu déversante. Vraiment très sympa là. C'est gazeux à souhait. Ouais, nickel. On arrive à une intersection, donc là on a une sortie ici sur la droite, sortie à 5 mètres, et sur la gauche, sortie à 35 mètres, mais la difficulté est un peu plus prononcée. Donc nous, ce qu'on va faire, on va sortir sur la gauche ici. Sympa là, hein. Fini va. En beauté là. Et bien voilà, on vient de terminer la première Via Ferrata, donc c'est la face. Très sympathique, hein, des belles petites portions, très ludiques, un peu engagées, hein, comme dira Arnaud, un petit peu en déverse, vraiment sympa. Pour redescendre pour aller plus vite, mais les gars ils veulent marcher, donc on va descendre gentiment, on va faire le tour, on est à peu près pour une heure et puis après on attaque le pilier. C'est parti. Alors nous voilà au départ de la Via Ferrata du Molesson, donc là maintenant on va faire le pilier. Alors pour la petite boucle à pied, comptez plutôt une heure et quart, hein. Nous on a mis une bonne heure, c'est ça Arnaud? Oui. Une bonne heure, hein, une bonne heure, voilà, mais bon c'est agréable, hein, c'est tranquille. Après comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de prendre la remontée mécanique, c'est vous qui voyez. Arnaud t'ouvre? Ouais, bah Arnaud il ouvre, allez c'est parti. Ici, on fait plus marche arrière. Hein. Alors, ah, qu'est-ce qu'on a là? On va avoir un commentaire à faire. La goutte,
expert ou l'ange. Ah bon, on passe par le noir alors, l'expert. On va essayer l'expert. Ok, nickel. Ça bon là, ça, ça grimpe bien partout, hein. La voûte, mes amis. Voilà, là où il y a Fabien, on peut aller direction les anges. L'ange. L'angle. L'angle, pardon, l'angle. Et nous, on a choisi de faire la voûte, donc le parcours noir, un peu plus engagé. Ouais, elle est belle cette voûte. Alors la voûte, partie bien engagée, bien sympathique. Ouais, magnifique là. Alors c'est par là. Ouh, sympa. Bon, c'est un peu engagé, mais franchement très sympathique. Et la voûte est juste au-dessus de nous. Allez, partie vraiment engagée là dans la voûte. Vraiment très sympa. Allez, je m'en vais pour pas gêner Fabien. Donc la voûte, on est bien là. Juste après le passage de la voûte. Passage de la voûte quand même bien engagé, bien physique. Ça tire sur les bras. Hein. Je dirais un TD+. Qu'est-ce que t'en penses Arnaud? Ouais, c'est court, TD+. Voilà, un petit passage court, mais bien en TD+. Et puis là, on rejoint les angles. Bon, il y avait ou les angles ou la voûte. Et après, on finit sur le même itinéraire. Allez, après la voûte, ça continue très raide là. Très vertical. Nous voilà arrivés à la moitié de l'itinéraire. Il nous reste encore la dernière moitié du pilier à faire. Mais en tout cas, elle est vraiment sympathique pour l'instant. Vraiment très cool. Allez, là on est sur une petite vire récupératrice. Très sympa. Allez, on est quasiment sur la fin de la Via Ferrata. On nous propose une sortie à 75 mètres. La seule qu'il y a d'ailleurs. Et puis après, on vous emmène manger la fondue. Allez, dernier passage. On tire un peu sur les bras, puis après c'est terminé. Allez. Dernier mètre. Dernier mètre avant la prairie. Hein. Avant la prairie, bien sûr. Et bien voilà, on en a terminé avec les Via Ferrata du Molaison. On se trouve au sommet, environ 2002 mètres d'altitude. Première via, donc je vous conseille, si jamais vous voulez enchaîner les deux, entraînez-vous un petit peu avant. Et je vous conseille de faire d'abord la face en premier, et puis après de faire le pilier. Et franchement, la petite variante dans le pilier au niveau de la voûte, c'est vraiment très sympathique. Et bien écoutez, nous on vous laisse. Et on va aller déguster la fondue. C'est parti. Et bien écoutez, j'espère que cette petite sortie en gruyère vous a plu. Nous on finit avec la fondue à 2000 mètres sur le Molaison. C'est vraiment très sympa. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir cette région. Et nous on se donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa. Arvipa.